Deux pros, mais une merde. Je suis pas non plus. Je suis pas non plus le roi de l'infiltration. Bon, d'ailleurs, on va bien le remarquer plusieurs fois. Ah si, ça y est, je peux les verrouiller. Mais apparemment j'ai pas d'exécution. Ça risque d'être compliqué pour certaines missions. Non 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 non. Il m'a pas vu. Oh mon dieu. Bon mais tu démarres bien. Allez d'accord. Tu vais prendre face, mais tu te fais défoncer. Ok. C'est bon, ça va. On va faire le même chemin. On va essayer de passer par ce côté là. C'est comme ça qu'ils m'ont formé à Mirawa. Ton instructeur devrait être fusillé. On veut un maximum de dégâts, pas un feu d'artifice. D'accord, fais comme tu veux. Chut. Non. Tu m'as pas vu. Je vais juste repérer le cadavre. Oh mon dieu, les vrais tous. Oh bah là, là-bas, il va pas me aider. Et lui qui est plus là. Triste. Il va vraiment bouger. J'espère que l'autre derrière va pas me voir. Oh là 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 là, ce stress. Excusez-moi si je parle pas beaucoup, hein. Mais c'est vraiment très stressant. Surtout en professionnel, je suis à fond dans le truc, quoi. Bon, pour l'instant, on n'a pas fait un sans faute parce que je me suis déjà fait repérer, mais au moins j'ai compris un peu la technique. La technique. C'est moi. Donc ça c'est Vic, mais avec un peu moins de cheveux. Comment va le gosse? Pas terrible. Charlie, c'est bon. Super, c'est cool. Tout ce que vous devez faire, c'est désactiver l'oscillateur pour couper le signal de brouillage. Ne bouge pas. Ne parle pas, ok? Charlie, j'ai un interrupteur. Tu vois un bouton bleu? Ouais. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire, mec? Qu'est-ce que tu veux me dire? On arrête la blacklist. Le brouilleur est éteint, Vic. On n'arrêterait pas la blacklist. Grenade! Et c'est ce qu'on appelle un communiste.
Voilà. Bon, sérieux, il y a un petit bonjour. Le mec, il lui dit, ne parle pas, ne dis rien. Et après, il lui dit, qu'est-ce que tu veux me dire? What the fuck? Vu comment il parle, on dirait un peu Anonymous, Paladin One et l'équipe d'échelon 4 sont prêts, madame la présidente. Mais on a perdu monsieur Fisher. Son ami est entre la vie et la mort. Trouvez Cost, vous trouverez Fisher. Il y a des centaines de morts à Guam et un compte à rebours est lancé sur des cibles américaines. Le monde veut des réponses, monsieur Fisher, et je n'en ai pas. Échelon 4 doit en trouver, mais il lui faut un leader pour ça. Quel coup, Vic. Je veux un des hommes de Vic et aucune question. Vous pouvez garder Charlie Cole. Et Grimes Dothier a recruté un des meilleurs agents de la CIA en soutien. Isaac Grimes. Ce sera sans Grimes. Elle non plus, elle ne voulait pas de vous sur cette mission. Ce n'est pas négociable. Personne mieux qu'elle ne sait travailler avec vous. Bienvenue à Echelon 4, monsieur Fisher. Plutôt classe, non? Première fois en avion? Non. T'as du nouveau sur cette organisation d'ingénieurs? Pas vraiment. Briggs et notre contact isolent les éventuels candidats. Et sur les noms? American Freedom, American Blood. Des attaques potentielles, avec des comptes à rebours. Bon, 5 jours avant American Consumption? Oui, c'est ça. On cherche toutes les cibles potentielles en ce moment même. Je vais te donner des infos sur l'avion. Prototype de transporteur militaire? Oui, mais avec plein de modifications. Armurerie, infirmerie, cellules, toutes les ressources disponibles au sol. Entièrement mobile, comme au bon vieux temps. Ça va, Briggs? On vient de me poser la radio hypodermique. On dirait qu'ils m'ont fait ça au burin. C'est génial. À côté Air Force One, c'est un avion de tourisme, hein, Sam? Tu veux discuter de ce qu'on peut améliorer? Après, montre-moi les lieux. Moteur de recherche multimédia, analyse prévisionnelle, expertise photo et vidéo. Plus les accès aux systèmes internationaux ELINT et à ceux de reconnaissance faciale de la CIA, NSA, DCS, FBI. Tout en temps réel. C'est à propos de ça que tu frimais? L'IMS? Interface de mission stratégique. Nous l'avons bien améliorée depuis le premier prototype que Charlie a fait. Explique-lui les détails. Et le meilleur, c'est que tu peux tout contrôler d'ici ou de ta montre terminale quand t'es sur le terrain. Impressionnant. Ok, tu dis si t'as besoin d'un truc, je vais aller voir mes cadeaux. Merci Charlie. Donc voilà, je pense qu'on a terminé notre première vidéo qui va se faire en... qui va être enregistrée en... Voilà, du mal, je parle en même temps. Qui va s'organiser en 2 parties. Ouais, sans doute 2 parties, ça devrait suffire. Donc voilà, je vous ai montré un peu en perfectionniste comment ça va être. Je le suis un peu, donc ben, je me devais de le commencer en perfectionniste. Je pense que je vais faire joueur de l'extrême, comme ça sur Hitman, et puis sur ça je vais m'amuser. Ah d'accord, ici t'as les défis. Donc voilà, ici on a notre panneau, apparemment il y aura des missions, d'après ce que j'ai cru voir. J'ai regardé quelques vidéos parce que bon, comme tout le monde, j'étais un peu pressé. D'accord, je peux téléphoner à Sarah, ça risque d'être intéressant. Il y a l'air d'avoir vraiment pas mal de trucs à faire, je vais bien rigoler, bien m'amuser dessus, je pense.
J'espère que ce let's play va vous plaire. Oui, parce que là c'est un let's play en perfectionniste, car Hitman j'avais déjà fini avant. Bon, je l'avais pas fini en la difficulté la plus dure, mais j'avais réussi à finir quand même. Et donc voilà. Et il est vraiment bien fait, franchement, respect. Je vais certainement faire des vidéos en multijoueur aussi pour m'amuser. Il faut que je trouve quelqu'un pour faire la coop avec moi, ça serait cool. Donc je sais pas du tout sur qui compter, je verrai bien s'il y a des gens qui sont intéressés, si quoi que ce soit. Que dire de plus? Si jamais vous avez aimé la vidéo, je vous invite à l'aimer, bien sûr, comme d'habitude. Si vous voulez la publier, ben vous pouvez, hein, ça ne me dérangerait pas, au contraire, ça va plus m'aider qu'autre chose. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Si jamais vous avez des questions, que vous souhaitez que je fasse un let's play sur un autre jeu en même temps, ou après, ou n'importe quand, ou avant, non, j'ai quand même, mais n'importe quand, laissez-moi des messages en privé ou en commentaire, ça m'ira. Ça ira. Et pour finir, je vous invite à vous abonner si vous souhaitez continuer à regarder les let's play, ou sinon, bah, vous abonnez pas, mais cherchez-moi pour regarder mes vidéos. Ça fonctionne aussi. Et on se retrouve à la prochaine fois.